Welcome, j'espère que vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer encore un repas économique et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser des likes, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos et n'hésitez pas à me dire si ça vous donne envie de manger. En tout cas, moi je vous laisse avec les ingrédients et on se retrouve après. Challenge d'aujourd'hui, 1000 francs CFA, soit moins de 2 euros pour un repas. On a des haricots blancs, c'est un demi-quaker. En fait, chez nous, les haricots blancs sont vendus en quaker, c'est moins d'un kilo le quaker, mais c'est plus d'un demi-kilo, donc plus de 500 grammes. Je pense que ça doit varier entre 700 et 800 grammes par là. Donc là, j'ai un demi-quaker qui m'a coûté 350 francs CFA. J'ai du riz, le quaker coûte 350, donc là j'ai un demi-quaker qui m'a coûté 175 francs CFA. J'ai une boîte de tomates, on a des boîtes de tomates de ce genre qui coûtent 50 francs CFA. J'ai des carottes, 100 francs CFA. J'ai une tige de ciboulette que j'ai déjà mixée, 25 francs CFA. J'ai du gingembre là, 25 francs CFA. J'ai un mélange d'épices, il y a du poivre noir, du poivre blanc, de la muscade, 25 francs CFA aussi. Et enfin, j'ai de l'huile, l'huile m'a coûté 200 francs CFA. Donc vous pouvez faire le calcul, vous allez voir que vous allez, ça va faire moins de 2 euros, en tout cas moins de 1000 francs CFA. Donc là, je vais commencer la préparation. Je vais mettre ça dans une marmite, mettre de l'eau. Normalement, il fallait que je pouvais les mettre dans l'eau, les tremper dans l'eau hier, les haricots, les tremper dans l'eau hier soir pour que ça mette moins du temps au feu. Mais bref, j'avais la flemme. Donc, je les trempe tout de suite. Non, je les trempe pas. Je les mets au feu tout de suite avec du sel. Je laisse bouillir jusqu'à ce que ça puisse cuire. De toutes les manières, je vous montre tout ça. J'ai mis mes haricots au feu, j'ai mis de l'eau, j'ai mis du sel aussi. Je vais laisser couvrir jusqu'à ce que ça puisse cuire. Je pense que je vais rajouter encore de l'eau. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, là, oups, la vapeur. Je vous montre mes haricots qui sont cuits. Je ne sais pas si vous pourrez bien voir. Là, ils sont cuits. Je les ai laissés au moins pendant 1h30 au feu. Donc là, je vais ajouter mes ingrédients. Désolée, ça sera un peu flou à cause de la vapeur. Donc là, j'ajoute les carottes, la tige de ciboule, tout. En tout cas, j'ajoute tout. Ah, je pense que je vais arrêter. Je vais d'abord ajouter mes ingrédients et je vous retrouve tout à l'heure. Donc là, j'ai ajouté l'huile, les carottes, tout. En tout cas, l'huile, j'ai juste mis une partie. J'en ai laissé un peu pour mon riz. Donc voilà, je vais laisser au feu pendant une quinzaine de minutes jusqu'à ce que la sauce va s'épaissir et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, là je vous montre le résultat, je viens d'enlever du feu. Vous voyez, la sauce est un peu épaisse, un peu plus épaisse. Voilà, c'est prêt. Voici le résultat, c'est trop bon, je vais me régaler. C'est sûr, ça sent tellement bon. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à cliquer sur à aimer déjà, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je vais manger. Bon appétit!